Nous prenons encore Romains
2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons même à partir du verset 18. Nous parlons lentement. Nous ne courons pas vite. Le verset 18, nous descendons, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Je dis, nous parlons lentement. Et surtout pour notre traducteur. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Je lis lentement. Pour notre traducteur. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cette écriture continue en disant. Chapitre 6, le verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va nous en donner un cantique de victoire. Les anges me font signe.
Parce que nous ne sommes pas venus au devant des hommes.
Décharge-nous de nos fardeaux, oh Jésus. Donne-nous la paix, donne-nous ton repos, Seigneur. Que nous puissions voir ta main, Seigneur, s'étendre, Seigneur, sur nos vies. Afin que nous trouvions grâce au Dieu. Délivre-nous, Seigneur, de l'ignorance. Délivre-nous, Seigneur, de toutes les chaînes des ténèbres. Et parle-nous de paix, Jésus-Christ. Toi en qui nous espérons, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Demande la grâce. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le Dieu véritable et éternel. Le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Amen. Ah, que Jésus-Christ vous bénisse. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vos cœurs. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de vos vies. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de vos vies. Parce que vous n'êtes pas venu au devant d'un homme. Vous êtes venu au devant du Dieu vivant. Le Dieu qui fait des choses grandes. Des choses grandes. Insondables. Des merveilles sans nombre. Que les merveilles de ce Dieu-là soient avec vous, bien-aimé. Je voudrais vous dire encore une fois que vous êtes au bon endroit. Je vous dis que vous êtes au bon endroit. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse en se retrouvant ici. Je dis, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse en vous retrouvant en ce lieu. Je demande au traducteur d'être fidèle à vos paroles. Amen. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous soutiendra dans tous les combats de votre vie. Il avait dit à Gédéon, vaillant héros, il n'avait pas encore combattu, mais il savait. Il avait vu le combat de Gédéon contre Madian. Il a vu la fin, l'épilogue de Gédéon. Il a vu que Gédéon sera vainqueur dans tous les combats. Et à la fin, il va anéantir les Madianites. Il est retourné au temps de Gédéon. Et il l'a appelé vaillant héros. Et toi aussi, tu es comme Gédéon par la foi. Le Seigneur connaît déjà ta fin, que c'est la vie éternelle. Le Seigneur connaît déjà que tu vas vaincre tous les sorciers qui te tourmentent. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Sois rassuré que le Seigneur Jésus te soutiendra toujours. Que tu sois ministre de Dieu, sache que là où tu es, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur accomplira des signes et des prodiges pour confirmer que tu es son serviteur. Parce qu'il marche avec toi.
dans ta vie. Il est écrit qu'il écrasera nos ennemis. David disait avec l'Éternel, j'ai franchi la muraille. Il voit que j'ai franchi la muraille. Quand il voit la muraille effélorée et tout, David dit si la Dieu il va percer cette muraille-là. Il dit avec Dieu je me précipite dessus de trop en devant lui. Un homme. Il a dit dans Psaume 89. Nous allons lentement. Ne te soucie que tu comprennes que Dieu est avec toi. Et le Seigneur ne te laissera jamais. Toi tu peux le laisser mais lui ne te laissera pas. Parce que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il dit que j'ai trouvé un homme. Dans Psaume 89, le verset 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je n'ai point de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Devant lui ses adversaires. Si tu es adversaire de David, tu viens contre lui. Lui va rester seulement là tranquillement. Et tu vas descendre son talon et il te piétine, il te fasse. Je frapperai ceux qui les haïssent. Donc David lui n'est pas là, il ne connaît pas que tu les hais. David y a une tête et Dieu qui sonde les cœurs et les reins.
Le Seigneur va te frapper sans que David ne le sache. Il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Donc je voulais m'arrêter dans cette lecture. Ici, si on nous parle des grâces que le Seigneur avait faites à David. Il l'assure que lui-même il soutiendra David. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse opprimer David. C'est pourquoi je dis que même les sorciers qui te dérangent dans ta maladie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur avait juré avec fidélité qu'il ne va pas permettre ça. Amen. Amen. Que tu es comme David, toi. La Bible dit qu'il écrasera devant lui ses adversaires. Donc le Seigneur va écraser les adversaires dans la vie. Amen. C'est ce que le Seigneur aussi fera à tes ennemis. Il dit sa force à lui, David. S'élèvera par mon nom. Tu peux être un lion. Tu peux être une ours. Tu peux être un gombolo. Sa force s'élevait au nom de l'Éternel. Quand il s'approchait devant Goliath, il a voulu étudier avec toutes ces choses-là. J'ai peur que je ne puisse pas entrer dans mon sujet. Esaïe 55. Vous allez lire toutes ces grâces-là de David. Vous allez lire ça. Dans le psaume 89, là, on venait. Quand tu vas même lire tous les chapitres. Maintenant, écoute ce que le Seigneur dit. Psaume 57, le verset 1-3. Vous tous qui avez soif, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Lentement, sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Le verset 3. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Des points, il va expliquer. À
Il lui prêtait l'oreille. Venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Maintenant, il veut expliquer ce qui fera vivre là. J'entraînerai avec vous une alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Les faveurs là de David. Les grâces là de David. Ce sont les grâces qu'on venait de lire dans Psaume 89. Maintenant, il a dit qu'il va traiter sa vie. Il va donner ça au peuple. Il va les rendre durables. Si il traite avec le peuple une alliance éternelle. Du temps où le Seigneur donnait cette prophétie, c'était pendant les temps de l'ancienne alliance. Mais il promet pour qu'il puisse rendre durable les faveurs envers David. Il va traiter une alliance éternelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance éternelle de Dieu. Parce qu'il n'y a que deux grandes alliances dans la Bible. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il n'y aura plus une autre alliance. Et c'est dans cette alliance que le Seigneur assure les grâces de David dans les vies des gens. C'est ce que Paul a témoigné dans Actes chapitre 13. Je parle lentement. Amen. Écoutez ceci. Actes 13 à partir du verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus Christ. Je veux démontrer que tu as un grand Dieu. Le Dieu qui t'a fait des promesses insondables, frère. Et en réalisant ces promesses, la personne ne peut te vaincre. Tu n'as même pas intérêt à avoir peur. Un chrétien doit enlever la peur en lui. Un chrétien, c'est celui qui n'a pas peur. Parce qu'il est soutenu par les promesses de Dieu. Les hommes peuvent faire des complots contre toi. Les hommes peuvent planifier des choses contre toi, frère. Dieu n'a pas dit mot. Ceux qui s'aiment à l'auteur, si les promesses de Dieu sont contraires à ce qu'eux font, ceux qui disent à l'auteur, ils ne réussiront pas. Ils vont triompher au nom de Jésus-Christ. Écoutez le verset 30, j'ai lu au nom de Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Donc ici il parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit, et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple?
oyo et salamaki on a attaqué la biso. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants. Zambe alekina koko kisa yambe pa na biso bana na bango en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qui a été déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Amen. C'est pourquoi, vous voyez ici, il dit, par la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur a accompli la parole qu'il avait dite dans Isaïe. Il va nous donner les grâces saintes qu'il avait promises à David. Maintenant, écoutez. Lorsque le poignet écoutait cela, qu'est-ce qu'il faisait? Le verset 48. Le poignet se réjouissait en entendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. Lorsque les païens ont écouté seulement les grâces de David, les grâces là qui sont assurées, il a dit qu'ils étaient dans la joie. Les hommes ne peuvent rien contre toi. Le Seigneur a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Et tu seras ta vie à trembler devant les sorciers. Tu trembleras jusqu'à la fin de ta vie. Ils te feront toujours peur. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de personne. À personne, bien-aimé. Tu es esclave de Jésus-Christ. Et tu es libre quant aux hommes. Tu es libre quant au péché. Parce que tu es esclave de Jésus-Christ. Ce qui est à toi restera à toi. Même si tu vis des temps difficiles, ce qui est à toi restera à toi. Même si les gens prononcent des malédictions contre toi, elles sont nulles sans effet. Le Seigneur avait dit à Jérusalem, il avait dit aux enfants d'Israël, les terres ne se vendront pas à perpétuité. L'héritage de quelqu'un, c'est son héritage à lui. Il peut devenir pauvre. Il vend son héritage. Je te dis, frère, il va acheter ça, son héritage. Ou même son proche va acheter son héritage.
est à toi. Malgré les temps et les circonstances. Et le Seigneur avait déjà dit que les terres ne se vendront pas perpétuellement. Tu peux perdre quelque chose par la vie du péché. Et tu entres dans des difficultés. Mais je te dis, les terres ne se vendront pas à perpétuité. Il reste là, il t'attend pour que tu viennes confesser. Pour qu'il puisse te retourner ce qui est à toi. Amen. Rassuré, bien-aimé. Rien ne peut contre toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Parce que vous êtes des gens heureux. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour rester avec nous. Dieu véritable la vie éternelle. Il convenait au Seigneur que nous puissions exhorter de cette façon. Nous ne sommes pas le maître du chant. Le maître du chant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui connaît tout ce que tu endures. Il a permis que nous puissions exhorter comme cela. On avait lu l'écriture de Lévitique chapitre 8. Nous avons aussi lu l'écriture de Romains chapitre 15, au verset 15, et nous avons descendu. Et nous sommes descendus dans cette écriture-là. Et on a lu aussi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 juste à la fin, et le premier verset du chapitre 6. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous voulons exhorter un peu sur le ministère de la parole. Dire des petites paroles, des petites phrases là-dessus. J'ai béni le Seigneur pour les services qui s'étaient passés les dimanches passés. Que le Seigneur encore soit loué. Parce que l'œuvre lui appartient. Il est écrit que la moisson est grande. Et les ouvriers sont un petit nombre. On ne dit pas que vous placez des ouvriers. Mais on dit prier que le maître des champs envoie. Et je crois que mes frères qui ont été consacrés, et c'est Dieu qui les a envoyés. Et au fil du temps, le Seigneur va confirmer l'appel. Parce que les choses ne viennent pas d'emblée directement. On avait établi Josué. Et à un certain moment, Dieu lui dit. Maintenant, je vais commencer à t'élever devant le peuple. Et le Seigneur élève lorsqu'il se manifeste dans l'œuvre. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Pour que Israël puisse vaincre les ennemis, il fallait la flèche de délivrance. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Que la main du prophète qui était malade puisse être placée sur la main du roi qui était établi pour les guerres. Et que le Donc,
la mère du prophète malade puisse être placée sur la main du roi. C'est le roi qui était établi pour sauver le peuple. Donc, c'est comme le ministre qui travaille avec le Saint-Esprit. Parce que le prophète malade là, c'est Jésus-Christ lui-même. Comme il meurt, mais en assurant la victoire après nous. Donc il mourait. Car il laissait la flèche de délivrance. Mais sa main devrait être sur la main du roi. Afin que le peuple puisse être victorieux. C'est ça le ministère de la parole. C'est une commission de Dieu. Il commet les hommes à une tâche. Pour les saluts des hommes. Mais nous avons montré cela. On nous avait montré cela lors de notre séminaire. Et dans l'ombre, il y avait des gens que le Seigneur avait pris. Et le Seigneur les a placés dans son service à lui. Afin qu'ils puissent offrir des sacrifices et des offrandes. Pour le peuple. Afin que le peuple trouve grâce devant Dieu. C'est l'écriture qu'on a lu de Aaron et ses fils. Cela veut dire le ministre de Dieu dans l'église. C'est une bénédiction. C'est-à-dire Dieu ajoute encore des gens. Des gens qui vont faire trouver grâce au peuple devant lui. Donc il ajoute des gens qui vont faire en sorte que le peuple puisse trouver grâce devant Dieu par les services qu'ils auront à faire. C'est ça le résumé du sacerdoce. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux chapitre 5. Il dit tous souvent sacrificateur. Près du milieu des hommes. Établi dans les services de Dieu. Pour les hommes, du millier desquels il a été pris, afin d'offrir des sacrifices et des offrandes pour les péchés. Amen. Amen. Les sacrificateurs étaient les frères des enfants d'Israël. Donc on a pris du milieu des frères. Et on l'a établi pour les mêmes frères. Afin que les frères obtiennent grâce devant Dieu. Il n'est pas en réalité leur chef. Donc cela veut dire qu'il n'était pas leur chef au-dessus de tous. Non. Ils étaient les serviteurs du peuple. Maintenant ils avaient quel service? De sanctifier le peuple devant Dieu. Et c'est ce qui s'est passé là-bas dans l'ancienne alliance. Les sacerdotes qui étaient en ces temps-là n'ont pas en réalité
amené à la perfection. Là, on parle du sacerdoce lévitique. C'est pourquoi tu vas remarquer. Lorsque Moïse a amené le peuple sur la montagne, le peuple dit qu'il devait voir le Seigneur leur Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Tu vas sanctifier le peuple. Et le troisième jour, je descendrai. Alors je pourrai me croiser avec le peuple. Nous allons lire Hébreu. Non, nous allons lire Exode. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Le verset 6. Bon, moi, il y a Ottoba. Prenons même le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse veut appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles. Et devant eux. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts dans trois jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu du milieu du feu.
Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise. Il y a Libenga à moto et toute la montagne tremblait avec violence. Amen. On dit les sons de la trompette retentissaient fortement. Amen. Il y a une écriture qui dit, et quand le peuple a vu cela, le chapitre 20, le verset 18. C'est juste la continuité. On dit tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait. Et s'éteignait dans l'éloignement. Voilà l'écriture que j'avais plus besoin. J'avais dit qu'il y avait aussi un sacerdoce dans le passé. Mais ce sacerdoce-là n'a pas amené le peuple à la perfection. En d'autres termes, ce sacerdoce n'a pas amené le peuple à la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi on a vu le Seigneur a donné l'ordre à Moïse. Et Moïse devait sanctifier le peuple afin que le peuple se croise avec Dieu. Mais ils ont lavé leurs vêtements. Ils se sont sanctifiés. Mais lorsqu'ils ont fait, ils sont venus devant Dieu. Le peuple a fui. Moïse est là. C'était l'image de tout un sacerdoce. C'était l'image du sacerdoce lévitique. Ce sacerdoce là n'a pas amené le peuple à la perfection. Ce sacerdoce n'a pas réconcilié les hommes avec Dieu. Amen. C'est ça le travail que ce sacerdoce a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, les Seigneurs meilleur sacerdoce. Tout en nous montrant que le sacerdoce là de l'ancienne alliance. Mais dès que l'ombre est l'image des choses à venir. Mais aujourd'hui, les sacerdoces que nous avons, c'est un meilleur sacerdoce. Et dans ce sacerdoce, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir. Avoir un souverain sacrificateur, un homme de chair comme nous. Non. On doit lui poser la question. Est-ce que tu étais entré là-bas dans l'église? Parce que le souverain sacrificateur, il entre dans l'électrice. Afin que le peuple obtienne la grâce. Nous en parlerons le dimanche. On dit ceci. Aaron, en entrant dans l'électrice, il doit être seul. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Il ne doit être que lui-même. C'est dans Lévitique 16, verset 17. Voilà Lévitique 16, verset 17. Il dit Aaron entrera là-bas seul, seul. Aaron a beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Pour que là-bas, le peuple obtient le pardon du péché. Mais Aaron véritable, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est entré dans l'église très là-bas.
Jésus était monté, dès que Jésus a attaqué, puis tu disparais. Mais olis-moi. Et puis on dit, ah, Jésus va sacrifier. Donc commence d'abord par mourir. Et tu ressuscites. Et après, tu vas monter au matin et disparaître. Mais olis-moi. Si tu ne le fais pas, ce que vous allez avoir monté, tu n'es pas non plus en aux alliés à monter. Parce que Aaron, il était lui-même des sacrifices. Amen. L'animal dans cette alliance, c'était Jésus lui-même. Les souverains sacrificateurs, Jésus lui-même. Les deux boucs, Jésus lui-même. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. J'ai dit dans ces sacerdoces, il y a un souverain sacrificateur. Il y a aussi des gens qu'il a établis pour travailler. Comme des sacrificateurs. Et ces gens-là travaillent avec lui ensemble. C'est pourquoi lorsque les frères Paul a lu les Écritures, nous allons chuter par là. Il a lu l'Écriture. Les apôtres ne le lisaient pas. Je dis ceci. Les apôtres ne prêchaient pas Actes des apôtres. Quand il veut lire, il veut prêcher. Et directement dit, lisons les livres Actes des apôtres. Là, c'est une grosse erreur. C'est là où beaucoup se perdent. Il veut prêcher sur la dîme. Il ouvre, tu vois, dans les Actes des apôtres, il n'y a pas la dîme. Mais il va aller se planter là-bas dans Hébreu, on parle de la dîme. Il pense que quand Paul prêchait sur les salaires des ministres, il lisait Hébreu, Acte des apôtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Amen. Ah. Soyez attentifs. Il lisait les livres des prophètes. Dans ces livres-là qu'il révélait les choses. Le Saint-Esprit les aidait à voir Jésus dans toutes les écritures là des prophètes. C'est comme ça que ça s'est passé. Prenons l'exemple. Les frères Jean veulent prêcher. Jean du côté. Il dit, ouvrons les livres des gens. Ouvrons les livres des gens. Ou bien Pierre veut prêcher. Pierre. Il dit, ouvrons les livres de Pierre. Jean lui-même qui écrivait. C'est lui-même qui racontait les choses qui s'étaient passées. Donc s'il veut parler du Christ, il n'a pas besoin de lire. Il a commencé seulement à parler. Parce que c'est lui qui parlait. C'est lui qui a écrit l'histoire. Il n'a pas besoin de lire. C'est pourquoi lui t'a dit. Lorsque j'ai voulu te parler de ces choses, Théophile, je suis allé auprès de ceux qui étaient des démons qu'il est. Ouais. La parole. Maintenant qu'elle me fait prêcher, prenez encore le livre de Luc. Vous voyez? Ça ne va pas. Il prêchait le livre des prophètes. C'est pourquoi je dis lorsque Paul a lu les sacerdotes lévitiques, il a compris que les sacrificateurs de là-bas. Aujourd'hui, ce sont les ministres de Dieu.
C'est pourquoi j'aimerais lire Romains chapitre 15. En tout ceci, je parle lentement. Cependant, je dis au nom de Jésus-Christ. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse. Comme pour réveiller vos souvenirs. À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Il veut expliquer maintenant c'est quoi ce ministère-là. Il est maquillé dans les divers services de l'évangile de Dieu. Afin que les païens lui soient une offrande agréable. Étant sanctifié par l'Esprit Saint. Vous voyez ce langage ici. Ce langage ici explique clairement que les sacrificateurs de l'homme, les sacrificateurs de l'homme, aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. Les ministres de la parole. Comme eux là-bas travaillent pour que le peuple soit saint. Aujourd'hui aussi, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour que vous soyez aussi sanctifiés. C'est pour qu'à la fin de votre vie, que le Seigneur puisse vous agréer. Que vous ne soyez pas rejetés. Le ministère a pour rôle de travailler afin que le peuple devienne parfait. Afin qu'au jour où la mort viendra, puisse témoigner ces frères-là, cette sœur-là. Vraiment, la manière des hommes, les gens ne manquent pas de fautes. Mais lui était parvenu à la perfection. Parce que lorsque je vis son amour, lorsque je vois sa douceur, lorsque je vois son humilité, lorsque je vois la connaissance de Dieu qui dans l'amour, je dis que Dieu par le Saint-Esprit avait travaillé dans cette sœur-là. C'est ça l'œuvre du ministère. Je crois que le dimanche nous allons encore en parler par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le donateur de la parole. C'est Dieu qui nous enseigne plus que tout autre homme. S'il y a des meilleurs enseignants dans les universités, dans les universités, quand il expose la matière comme ça, tu dis prof que je transporte même les sacs pour toi là jusqu'à la voiture. Prof, je veux être ton disciple. Prof, vraiment, je suis très heureux de toujours t'écouter exposer ton cours. Fais de moi-même ton garçon de course. Il y a des gens comme ça. Sachez que Jésus-Christ est plus que ces gens-là. Ah.
Il est le véritable enseignant. Mais personne ne peut enseigner comme lui. Je dis si Jésus-Christ veut leur faire devenir des fous. Veut leur faire des fous. Solo. Como a manaeu, sou que na boca.
à moi si je t'ai à mon papa. Yahweh mon Dieu, mon roi, ta mort la à toi. Yahweh mon Dieu, Jésus-Christ, Seigneur. Sous ta main, la limon et l'autre à part. Les serviteurs et les dignes, mon Jésus. La zéra et la vie, et bébé va nous dire ma peau, la vie. Yahweh mon Dieu, mon roi, mon Jésus-Christ, Seigneur. Kouma mané, yo, et l'autre à la solo. Kouma mané, yo, santé, la mort. Kouma mané, yo, santé, la santé. Et l'autre à la solo, mon chemin.